Bonjour, bonsoir à tous dans le monde entier. Je souhaite la bienvenue à l'auditoire en ligne, à tout l'auditoire en ligne. Je m'appelle Susan Hopgood et je suis la présidente de l'Internationale de l'Éducation, la Fédération mondiale des syndicats de l'éducation, avec plus de 32 millions d'enseignants et de personnels d'appui à l'éducation, de 384 organisations, dans 178 pays et territoires dans le monde. Et j'ai l'honneur d'animer ce webinaire sur les enseignants et l'éducation inclusive qui est co-organisé par l'Internationale de l'éducation, l'UNESCO, l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour éducation 2030 et le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020. Nous souhaitons la bienvenue à plus de 300 personnes présentes sur la plateforme et d'innombrables autres personnes qui suivent la discussion sur YouTube. Si vous êtes sur la plateforme, veuillez indiquer la ville et le pays où vous vous trouvez. Vous pouvez indiquer cela dans le chat. Et avant de commencer la discussion, je vais commencer par quelques questions d'intendance. L'événement d'aujourd'hui peut être suivi en anglais, espagnol et français, ainsi que dans la langue des signes des États-Unis. Si vous nous rejoignez sur la plateforme et si vous souhaitez modifier la langue que vous voulez utiliser, choisissez « Watch Live Event » dans la langue que vous préférez, dans le menu de navigation en haut de l'écran. Les sous-titres en direct sont également disponibles pour l'événement d'aujourd'hui.
Si vous nous regardez sur Facebook, cliquez sur la roue des réglages pour obtenir des sous-titres en direct. Chers amis, il y a 2 semaines seulement, le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020, le rapport GEM, a été lancé. Le rapport nous a rappelé que même avant la pandémie, le droit à l'éducation pour tous les élèves était loin d'être réalisé dans le monde. Un montant estimatif de 258 millions d'enfants et de jeunes dans le monde entier sont exclus des systèmes éducatifs. Le rapport GEM demande aux décideurs d'élargir leur interprétation de l'éducation inclusive pour satisfaire les besoins de tous les apprenants, quelle que soit leur identité, leurs antécédents et contexte ou encore leur capacité. Dans les systèmes d'éducation inclusif, les contributions de tout un chacun à la salle de classe sont valorisées et les environnements d'apprentissage sûrs et inclusifs, correspondent à des sociétés sûres et inclusives qui nous profitent à tous. Les éducateurs bien qualifiés, formés et bien soutenus et le personnel d'appui à l'éducation jouent un rôle clé pour atteindre ces objectifs. Le rôle important que jouent les enseignants est au cœur de notre collaboration constante avec l'UNESCO et l'équipe spéciale internationale sur les enseignants. Pour Éducation 2030, comme élément de ce réseau important, nous avons prôné la nécessité pour les enseignants et les organisations qui les représentent de participer à un véritable dialogue social et de politique générale et d'être consultés pour tous les aspects des politiques et pratiques concernant les enseignants. Nous sommes solidaires pendant les périodes difficiles telles que la période actuelle et même au-delà. Aujourd'hui, en fait, nous nous retrouvons au milieu d'une crise mondiale de l'éducation causée par la pandémie de la COVID-19. Cela a exacerbé les inégalités, en particulier pour les élèves et les enseignants les plus vulnérables. L'International de l'éducation et ses organisations membres ont pris des mesures importantes pour fournir des directives sur la façon d'aborder l'éducation à l'ère de la COVID-19. Nous devons veiller à ce que le droit à l'éducation pour chaque enfant, ainsi que des conditions de travail décentes pour tous les éducateurs et le personnel d'appui à l'éducation, soient prises en compte lorsque les écoles sont fermées par intermittence, puis rouvertes. L'International de l'éducation a adopté 12 principes directeurs pour enrichir les réactions des syndicats d'enseignants et des gouvernements face à la crise du coronavirus dans le domaine de l'éducation. Et nous avons lancé une enquête pour évaluer l'impact de la COVID-19 sur l'éducation. Une grande préoccupation que nous avons, c'est que les gouvernements, dans leur réaction face à la pandémie, ont souvent laissé de côté les plus marginalisés. Au cours de ce webinaire, nous allons discuter de l'éducation inclusive pour tous les enfants, y compris ceux qui ont des handicaps et les représentants d'autres groupes marginalisés. Et nous allons voir le point de vue des enseignants. Je souhaite la bienvenue à un groupe divers et chevronné qui comprend des enseignants, des chefs d'établissement scolaire, des représentants de syndicats de l'éducation, des organisations internationales et des gouvernements. Avant de passer au premier orateur, nous tenons à remercier tous ceux qui ont déjà posé des questions avant l'événement. Nous souhaitons entendre vos réactions et nous allons répondre à certaines de vos questions un peu plus tard pendant la réunion. Nous vous invitons à envoyer vos questions pendant toute la réunion dans le chat ou sur Twitter en utilisant le mot dièse All means all, tous sans exception. On ne pourra peut-être pas répondre à de nombreuses questions aujourd'hui, mais nous allons les recueillir pour les exploiter plus tard. Et maintenant, chers amis, nous allons donner la parole à la première oratrice. C'est la directrice générale adjointe de l'UNESCO pour l'éducation, Stefania Giannini. Bienvenue, Madame Giannini. Merci beaucoup, Suzanne. Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Et c'est un grand plaisir pour moi, au nom de l'UNESCO, que de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à cette réflexion conjointe, cette discussion sur le rôle essentiel des enseignants et l'enseignement pour l'inclusion. Après le lancement très réussi du rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020, le rapport GEM sur l'inclusion et l'éducation. C'était il y a 2 semaines. Et le thème, c'est tout sans exception. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020 prévient que les possibilités d'éducation continuent d'être réparties de façon inégale. Nous devons en être bien conscients. Un enfant, adolescent ou jeune sur 5 est entièrement exclu de l'éducation dans le monde. La stigmatisation, les stéréotypes, la discrimination signifient que des millions d'autres sont marginalisés à l'intérieur des salles de classe. Et donc marginalisés à l'intérieur et à l'extérieur des salles de classe.
Il n'a jamais été plus crucial que maintenant de faire de l'éducation un droit universel et fondamental et une réalité pour tous. Notre monde en mutation rapide est confronté maintenant à de multiples difficultés majeures. Je ne peux pas éviter de mentionner la pandémie de la COVID-19 qui nous oblige à vivre dans des situations sans précédent, mais on peut également évoquer les changements climatiques, les conflits, le racisme, l'intolérance et de nombreux autres problèmes. Tous ces problèmes, cette situation sans précédent, tout cela ne fera que creuser les inégalités. Cela aura des répercussions pendant des décennies à venir, pendant des décennies, à moins d'agir dès maintenant, à moins de travailler ensemble sur une mission claire. La pandémie de la COVID-19 cause des problèmes sans précédent pour l'éducation inclusive, en exposant la fracture numérique, en surmenant les capacités des enseignants et en faisant reculer l'inclusion pour les apprenants non connectés. Mais ce qui est plus important, le rapport nous indique que l'éducation inclusive ne peut pas être réalisée sans les enseignants. Et je voudrais le souligner très nettement. Il faut des ense Les enseignants pendant cette crise ont été le lien humain entre les salles de classe qui n'étaient plus disponibles et les nouvelles modalités d'apprentissage. Les enseignants pouvaient préparer les enfants, les familles, les parents à faire face à cette situation tout à fait nouvelle. Les enseignants doivent être soutenus et doivent être prêts à créer des salles de classe où tous les apprenants ont leur place pendant cette crise et après la crise également. Comme on le verra aujourd'hui, de nombreux enseignants pensent qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés pour faire face à la diversité dans la salle de classe. Et le rapport est un appel clair à notre action collective pour rectifier ce défaut. Nous avons également besoin de plus d'enseignants. Vous savez qu'il y a une pénurie d'enseignants de quelques 69, presque 70 millions d'enseignants dans le monde. Et c'est notamment un problème au sein de l'Union européenne. Et donc, nous avons besoin d'enseignants qui eux-mêmes représentent la même diversité que nous voyons dans notre société, dans nos salles de classe. Depuis sa création, et vous savez que l'UNESCO a toujours mis en exergue le rôle important des enseignants, et nous sommes fiers d'accueillir le secrétariat de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation 2030. L'équipe spéciale a récemment lancé un appel à l'action visant les enseignants, en soulignant la nécessité pour les enseignants d'être protégés, soutenus et pris en compte pendant la crise de la COVID-19. Et je voudrais également souligner la grande coopération de l'international de l'éducation et nous coopérons aussi avec la Coalition mondiale pour l'éducation que l'UNESCO a créée dès le début de la crise, fin mars. Et maintenant, nous travaillons avec quelques 130 partenaires, entreprises, ONG, des réseaux qui œuvrent pour aider les pays à trouver des solutions immédiates, aussi à développer les systèmes de téléenseignement, notamment lorsque la connectivité n'est pas très bonne. Nous essayons d'appuyer une approche intégrée avec l'utilisation de la radio et d'autres méthodes plus traditionnelles, mais souvent se concentre sur la composante être humain pour ce qui est de l'enseignement et l'apprentissage. Et le programme phare, il y a un programme phare, un projet phare que nous avons avec l'International de l'éducation et avec nos partenaires, la Coalition. C'est un programme phare sur les enseignants et ce programme ne cessera de prendre de l'importance à l'avenir. Je vous souhaite plein succès lors de vos discussions d'aujourd'hui et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à y participer. Merci beaucoup, Stéphania. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé aujourd'hui. Et donc, je vous remercie d'avoir participé à la réunion. Ça a toujours été un plaisir pour l'International de l'éducation que de coopérer avec l'UNESCO. Nous continuerons de veiller ensemble à ce que chaque enfant, jeune et adulte reçoive son éducation de la part d'un enseignant qualifié, fiable et bien soutenu. Chers amis, nous allons maintenant regarder une animation sur le rapport GEM 2020 qui a été lancé récemment.
Je pense que l'animation va bientôt commencer. Nous sommes tous différents. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020, portant sur l'inclusion et l'éducation, estime que l'éducation est plus forte lorsqu'elle s'ouvre à la diversité. Les apprenants ne devraient pas avoir à s'adapter au système. Les systèmes éducatifs devraient plutôt s'adapter à eux. Lorsque les élèves ne se sentent pas les bienvenus à l'école, ils sont moins susceptibles d'apprendre. C'est une perte pour nous tous. Mais les pays riches, aussi bien que les pays pauvres, séparent trop souvent certains enfants des autres à l'école, comme des enfants qui ont été déplacés, qui ont un handicap, qui parlent une autre langue, ou sont pauvres et défavorisés. Les méthodes d'enseignement peuvent favoriser certains élèves, comme le font de nombreuses lois et politiques. Les enseignants sont souvent mal équipés pour répondre aux besoins divers des élèves. Les enfants ne se reconnaissent pas toujours dans les manuels scolaires. Certains peuvent même ne pas s'y retrouver du tout. Ils en comprennent qu'ils n'ont pas leur place. Les évaluations reflètent parfois une vision étroite de l'éducation et par conséquent, certains élèves quittent l'école plutôt qu'ils ne le devraient. Il s'agit là de problèmes complexes à résoudre. La complexité est grande dans ce domaine. Mais croire au droit à l'éducation, c'est croire à l'inclusion. Les enfants ont des rythmes et des besoins d'apprentissage différents. Ils ont besoin de programmes d'études souples, créatifs et pertinents. La manière dont les enseignants sont préparés est essentielle. Il faut leur donner les outils et les formations nécessaires pour réaliser notre vision de la réforme. Des ressources qui peuvent aider les personnes marginalisées, éducateurs, personnel de soutien et matériel, doivent être partagées afin que tous puissent en bénéficier. De meilleures données nous aideraient à mieux cibler ceux qui sont laissés pour compte. Les données sont importantes. Mais les désavantages s'accumulent souvent. Nous ne pouvons pas aborder l'inclusion au cas par cas. Pour surmonter ces difficultés, il faut des ressources financières. Celles-ci doivent être réparties de manière équitable et répondre aux besoins spécifiques de chacun. Nous devons travailler ensemble sur ces questions dans tous les ministères, de l'administration centrale aux autorités locales, avec les gouvernements soutenus par la société civile et les écoles qui ouvrent leurs portes à la communauté. L'inclusion dans l'éducation nécessite un changement de mentalité dans la société pour que l'éducation pour tous signifie l'éducation pour tous sans exception. Atteindre cet objectif est l'affaire de tous, y compris la vôtre. Nous venons d'entendre, chers collègues, un appel à l'action émanant du rapport GEM qui souligne les pierres angulaires. Mais en fait, nous n'avons pas encore entendu l'appel à l'action car on n'a pas encore donné la parole à Manos. Je vous prie de m'excuser. Nous venons d'entendre un appel à l'action émanant du rapport GEM qui souligne les pierres angulaires de l'inclusion dans l'éducation. Et maintenant, nous allons entendre d'autres déclarations. Nous avons entendu que nous avons besoin d'efforts sérieux pour préparer, autonomiser, soutenir et motiver le personnel enseignant et veiller à ce que tous les enseignants soient prêts à enseigner dans des salles de classe inclusives. Maintenant, on va pouvoir suivre certaines des constatations, recommandations et conclusions du rapport GEM 2020. C'est Manos Antoninis qui va nous en parler. C'est le directeur du rapport GEM 2020. Bienvenue, Manos. Bonjour, Suzanne. C'est un honneur que de co-organiser le lancement du rapport avec la communauté des enseignants, avec l'équipe spéciale internationale sur les enseignants, événement co-organisé par l'UNESCO. C'est une occasion en or que de pouvoir partager avec les enseignants du monde entier les conclusions, constatations, obtenir les contributions des enseignants pour transmettre les messages très forts dans le monde entier, les messages du rapport GEM. Je vous remercie de votre soutien. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020 a reçu un mandat de la communauté internationale pour suivre les progrès sur l'éducation, et cela au titre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Et je remercie le conseil consultatif. Le thème de l'inclusion a été choisi par notre conseil consultatif il y a quelques années. La raison de ce choix de l'inclusion, c'est que
Tous les pays se sont engagés à réaliser l'éducation inclusive d'ici à 2030, mais chacun ne comprenait pas forcément clairement ce envers quoi les pays s'engageaient. Dans le rapport, et cette image vous présente la perspective retenue par le rapport, nous considérons que c'est un processus pour favoriser la diversité et donner un sentiment d'appartenance pour atteindre la cohésion sociale. Nous avons une série de mesures dans le domaine de l'éducation. Cela doit s'ancrer dans la conviction que chaque personne a de la valeur et un potentiel. L'inclusion, c'est la lutte contre la discrimination. C'est ne rejeter personne. L'inclusion, c'est s'adapter aux apprenants, faire des aménagements. Il ne faut pas que les apprenants aient à s'adapter à un système. Nous savons que les arguments en faveur de l'inclusion ont été défendus par ceux qui ont appuyé les droits des personnes handicapées. Pour avoir le droit à l'éducation inclusive, garantir le droit à l'éducation inclusive, ça a été garanti en 2006 en droit international. Mais il a fallu 10 ans de plus au Comité sur les droits des handicapés pour que le Comité publie son observation générale numéro 4 pour aider à interpréter ce droit à l'éducation inclusive, car le Comité s'est rendu compte que l'inclusion ne concerne pas seulement un groupe, c'est une question d'état d'esprit, les mécanismes qui produisent la discrimination et le rejet. Cela est identique pour tous ceux qui sont exclus, toutes les sociétés dans le monde. Doivent faire face aux mécanismes qui excluent et lutter contre ces dispositifs. Malheureusement, l'identité, les antécédents, les contextes et les aptitudes continuent de dicter les possibilités d'éducation. Le débat sur l'inclusion doit commencer avec les 258 millions d'enfants, adolescents et jeunes qui ne sont pas scolarisés. Dans 12 pays, les enfants handicapés sont 2,5 fois plus susceptibles de ne jamais aller à l'école par rapport à leurs camarades. Les réfugiés adolescents sont 3 fois plus susceptibles de ne pas aller à l'école secondaire. Le monde a établi un objectif pour que tous finissent l'enseignement secondaire d'ici à 2030, mais dans au moins 20 pays, le rapport a constaté qu'aucune jeune fille ou femme rurale n'achevait l'école secondaire. Et parmi ceux qui achèvent le premier cycle de l'enseignement secondaire, les élèves les plus riches ont 2 fois plus de chances d'apprendre les compétences de base que le pauvre. Il faut que tous les enfants puissent apprendre, mais pour cela, il faut voir quelle est l'expérience et le bien-être des élèves. On a parlé de stigmatisation, stéréotypes, discrimination, comme Madame Gianni l'a dit. Cela marginalise davantage d'élèves dans les salles de classe, encore plus qu'en dehors des salles de classe. Les étudiants LGBTI aux États-Unis sont 3 fois plus susceptibles de rester chez eux car ils ne se sentent pas en sécurité. Les élèves de quatrième année dans les pays à revenus moyens qui n'apprennent pas dans leur langue maternelle ont 3 fois moins de chances d'apprendre les compétences de lecture de base. Il y a une recommandation fondamentale essentielle pour tous ceux qui participent à l'éducation, avec un vaste éventail de partenaires. Les défenseurs de l'inclusion ont appuyé cela. L'inclusion ne peut pas être réalisée si on pense que c'est un désagrément, un inconvénient. Si les gens pensent que les capacités d'apprentissage sont fixes, le rapport demande à tous les pays d'élargir leur interprétation de l'éducation inclusive pour prendre en compte tous les apprenants, quelles que soient les identités, antécédents et aptitudes. Le rapport concerne toutes les personnes et concerne tous les pays, pays de l'Afrique au sud du Sahara, les apatrides, les Roms en Europe, les Rohingyas déplacés en Asie, les personnes d'ascendance africaine en Amérique latine, mais de nombreux gouvernements ne fondent pas leurs lois et politiques sur ce principe. Le rapport a constaté que 68% des pays ont une définition de l'inclusion, de l'éducation inclusive, mais seulement 57% de ces définitions prennent en compte les groupes à marginalisation multiple. Les interventions devraient être cohérentes dès la petite enfance et jusqu'à l'âge adulte, si on veut que les interventions aient un impact. Mais pour passer aux enseignants, l'analyse des informations recueillies pour 168 pays indique que 61% des pays mettaient en place des éléments de formation à l'inclusion. Mais comment cela est interprété est différent selon les pays. Et nous allons examiner cette question plus tard cette année dans un document de politique générale. Un quart environ des enseignants dans les pays à revenus moyens et élevés ont indiquer une nécessité de formation professionnelle pour enseigner aux étudiants ayant des besoins particuliers. 8% des enseignants en Afrique francophone ont reçu une formation à l'éducation inclusive, seulement 8%. Mais nous avons un message clé dans le rapport.
Il ne faut pas enseigner des approches inclusives comme thème spécialisé. L'inclusion doit être au cœur de l'éducation des enseignants. Tous les enseignants doivent être prêts à enseigner à tous les apprenants. Par exemple, à New Brunswick, au Canada, un quart des enseignants ont été formés pour appuyer les enfants autistes. Généralement, il y a une formation distincte pour les enseignants selon leur établissement scolaire. Et donc, il faut lutter contre les stéréotypes négatifs au sujet de l'inclusion des pays les plus pauvres. Les ONG, souvent, dirigent les possibilités de perfectionnement professionnel. Et cela indique la faible priorité que les gouvernements accordent à l'inclusion, mais aussi le risque que cette formation ne s'inscrive pas dans un contexte plus large d'inclusion. Et il ne suffit pas que les enseignants aient des connaissances. Ils ont aussi besoin de bonnes relations de travail, de bonnes conditions de travail et un soutien. Ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de l'éducation inclusive ont également besoin d'une formation et le personnel d'appui, ça a été mentionné au début de la réunion, peut accompagner la transition vers l'inclusion à condition que le personnel d'appui complète et ne remplace pas les enseignants. L'enquête qui a été organisée par l'International de l'éducation a constaté que ce n'était disponible que dans 22% des pays. Les enseignants ont tendance à avoir des attitudes positives envers l'inclusion, mais ils peuvent aussi avoir des doutes concernant la faisabilité de l'inclusion. Certains enseignants peuvent avoir des vues bien ancrées sur le potentiel d'apprentissage des étudiants. Au Liban, les enseignants ne pensaient pas que tous les élèves handicapés puissent être inclus avec succès. Certains enseignants ne pensent peut-être pas que l'inclusion soit souhaitable. Dans 43 pays à revenu moyen ou élevé, un enseignant sur trois a signalé qu'il n'adaptait pas leur enseignement à la diversité culturelle des élèves. C'est peut-être dû au fait que les enseignants ne sont pas toujours à l'abri des préjugés et stéréotypes sociaux. Aux États-Unis, 31% des enseignants pensent que les inégalités sont surtout dues au fait que les Afro-Américains n'avaient pas assez de motivation. À São Paulo, au Brésil, les enseignants de maths de 8e année donnaient de meilleures notes aux élèves blancs qu'à leurs camarades de classe noirs qui se comportaient pourtant bien. En Italie, les filles avaient moins de résultats en mathématiques si les enseignants avaient des préjugés. Ces partis pris, préjugés nuisent à l'apprentissage des élèves et donc l'éducation des enseignants doit s'attaquer à ces vues ancrées. Mais les vues ancrées selon lesquelles certains étudiants pourraient ne pas être capables d'apprendre. Une éthique d'inclusion est essentielle pour que tous les élèves se sentent les bienvenus à l'école et puissent concrétiser leur potentiel. Les écoles doivent se féliciter de la diversité des élèves et promouvoir le respect pour tous les membres de la communauté scolaire, avec des activités pour des environnements scolaires sûrs. Et certains participants nous parleront d'initiatives remarquables pour la sécurité. Il faut un leadership qui appuie l'inclusion. Cela est très propice à un environnement sain à l'école. Les dirigeants des écoles doivent promouvoir un environnement sûr. Ils ont besoin d'autonomie pour prendre les décisions appropriées. Mais il faut aussi une formation spécialisée. L'étude de l'OCDE de 2018 indiquait qu'un cinquième des enseignants principaux n'avait pas de formation spécialisée. Et pour les 47 pays qui ont participé à l'enquête, 15% des enseignants principaux indiquaient une nécessité élevée de formation pour promouvoir l'équité et la diversité. Cela pouvait atteindre 60% au Vietnam. Enfin, le corps enseignant doit refléter la diversité sociale. Toutefois, la diversité des enseignants est souvent en retard par rapport à la diversité de la population. En Inde, les membres des castes, qui sont des enseignants, ont augmenté en nombre, mais restent en deçà de la moyenne. Et comme le graphique l'indique, la profession d'enseignant aux États-Unis marque une sous-représentation des minorités. La sous-représentation se retrouve à toutes les étapes, que ce soit l'éducation des enseignants ou que ce soit le maintien en fonction des enseignants. Le rapport, bien sûr, considère l'inclusion avec une perspective très large, avec tout un éventail d'autres recommandations. Je vais vous présenter brièvement ces recommandations. Je vous invite à examiner les détails dans le rapport GEM lui-même. Premièrement, le financement doit cibler ceux qui ont été laissés en arrière, à la traîne, car il n'y a pas d'inclusion lorsque des millions d'enfants n'ont pas accès à l'éducation. Il faut les rescolariser. Malheureusement, les ministères d'éducation ont encore des difficultés à coopérer avec d'autres ministères pour atteindre les mêmes objectifs.
Les gouvernements doivent veiller à ce qu'il y ait une coopération entre départements, secteurs et niveaux gouvernementaux, notamment du fait que les collectivités locales sont de plus en plus chargées de mettre en œuvre l'éducation inclusive. Et la transition de l'éducation spécialisée à l'éducation ordinaire, c'est un véritable exploit. Il faut donc partager les compétences spécialisées et les ressources. C'est la seule façon de réussir la transition en faveur de l'inclusion. La conception universelle, qui généralement est associée aux infrastructures, mais la conception universelle est également associée à la conception universelle pour l'apprentissage. C'est un signe de la souplesse dont nous avons besoin pour les programmes d'études, les manuels scolaires, les évaluations, pour que tous les apprenants puissent concrétiser leur potentiel. Les gouvernements et d'autres partenaires au niveau des écoles doivent participer à des consultations véritables et significatives pour rassurer ceux qui pourraient avoir des doutes. Les acteurs non gouvernementaux, comme cela a déjà été dit, peuvent jouer un rôle puissant comme prestataires de services éducatifs, mais leur rôle doit être soutenu et il faut que ce soit conforme aux politiques d'inclusion du gouvernement. Et enfin, les données pour l'inclusion et sur l'inclusion sont très importantes pour repérer les problèmes. Cela doit être fait avec soin et beaucoup de respect. Il faut éviter les étiquettes qui stigmatisent les élèves et étudiants vulnérables. Pour terminer, je voudrais mentionner un nouveau site web que nous avons lancé il y a 2 semaines, en même temps qu'on lançait le rapport mondial de suivi 2020. C'est Peer, plateforme en ligne, profil sur l'éducation pour améliorer les examens de l'éducation. Cela décrit les lois et politiques sur l'inclusion dans l'éducation. Cela complète 2 sites web qui existaient déjà et qui ont été axés surtout sur les aspects quantitatifs des progrès dans l'éducation. La base de données mondiale sur les inégalités et l'éducation, lancée il y a 10 ans, et Scope, c'est un outil qui suit les progrès dans l'éducation. C'est un site très interactif. Nous vous invitons à utiliser le site Scope, car cela complète le volet suivi du rapport. Je ne l'ai pas vraiment évoqué aujourd'hui. Here, à la plateforme en ligne sur les profils sur l'éducation, comme vous le voyez ici, répond aux besoins de tous ceux qui s'intéressent à l'éducation comparative et ceux qui se demandent comment le pays X ou Y aborde une question de politique générale en matière d'éducation. Cela vise à satisfaire les besoins et ça correspond au mandat du rapport qui est de suivre les stratégies nationales pour la réalisation de l'objectif de développement durable 4. Le portail Peer comprend des profils sur l'éducation qui décrivent comment tous les pays dans le monde, à part l'Europe, s'est déjà pris en charge par ailleurs, et notamment le rôle de l'Agence européenne pour les besoins particuliers et l'éducation inclusive, et bien comment tous les pays dans le monde abordent l'inclusion dans l'éducation grâce aux lois et politiques. Nous utilisons ces profils pour suivre les tendances pour certaines questions. Dans certaines régions, j'ai déjà décrit certains aspects. Beaucoup peut être appris grâce à la mise en commun des expériences des pays, et nous souhaitons que le portail Peer appuie des processus régionaux et sous-régionaux. Dans un monde qui de plus en plus fait face à la précarité, aux incertitudes, l'inclusion doit être au cœur de l'avenir de l'éducation. Nous vous remercions beaucoup de votre aide pour diffuser tous ces messages et j'appelle votre attention sur le fait que le rapport, pendant le 2e semestre, va aussi lancer 2 éditions régionales, une sur l'Amérique latine et les Caraïbes et l'autre édition sur l'Europe centrale et orientale, le Caucase et l'Asie centrale. Et donc, restez à l'écoute. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mon exposé. Je remercie beaucoup Manos. C'est très positif d'entendre quel est le contenu du rapport qui contient des informations très importantes. Nous devons tous agir en fonction du rapport. Et maintenant, on va entendre des enseignants, des chefs d'établissement, des représentants de syndicats, des différents agents du monde de l'éducation qui viennent de différentes régions du monde, qui défendent des initiatives et approches permettant de favoriser l'inclusion à l'intérieur et à l'extérieur des salles de classe. Je vais présenter chaque intervenant qui va bientôt prendre la parole. Et tout d'abord, on va donner la parole à Mark Potter, qui est le directeur de l'école Bearnport à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Une école bien connue pour les succès qu'elle a remportés dans les pratiques inclusives et le plaidoyer pour les enfants ayant des besoins divers. Monsieur Potter est membre de l'exécutif national de NZEIT-Rio-OA, le plus grand syndicat d'éducation en Nouvelle-Zélande. Marc,
J'attendrai avec intérêt vos réponses. Première question, Manos vient de nous dire qu'un obstacle clé pour l'inclusion de l'éducation, c'est l'absence de conviction et de volonté politique, qu'il est possible et souhaitable de rendre les systèmes d'éducation et les écoles véritablement inclusives. En tant que chef d'établissement scolaire, pouvez-vous nous dire comment votre école, l'école Bérenport, promeut un environnement d'apprentissage inclusif qui satisfait les besoins de tous les apprenants et qui considère que la diversité est un atout clé pour l'apprentissage? Merci, Susan. Oui, et c'est une question d'attitude. Donc, une école, les systèmes scolaires peuvent atteindre l'inclusion, mais il faut en être convaincu. Donc, il s'agit d'éduquer les gens pour qu'on soit les plus inclusifs possibles. Nous avons de la chance. L'Institut néo-zélandais pour l'éducation est un syndicat qui est très attaché à l'éducation inclusive, car cette organisation représente différents prestataires qui travaillent dans le secteur de l'éducation. Et donc, ça a été une source d'inspiration, notamment pour mon école, qui favorise beaucoup l'inclusion dans notre école. Nous avons une vision d'avenir mise au point avec la communauté. Cette vision d'avenir, c'est que l'école Bérenport, c'est l'école de tous. Et nous avons mis cela au point avec les parents, les enfants, les enseignants. Tout cela signifie tout sans aucune exception. C'était clair pour tous les participants. Malheureusement, trop souvent dans les écoles dans le monde, et notamment en Nouvelle-Zélande, il y a certaines personnes qui ont du mal à s'adapter, qui sont un peu différentes, mais il faut pourtant les accueillir. Ce que nous avons fait, nous avons transformé la vision d'avenir en réalité. Nous avons travaillé avec l'UNESCO, la déclaration de l'UNESCO de 1994, qui avait des aspirations excellentes pour l'éducation inclusive. Nous avons relié cela à l'indice pour l'inclusion, qui a été mis au point au Royaume-Uni. Et nous avons élaboré une façon triangulaire de penser les choses, et cela imprègne toute notre action. Nous avons un concept. La diversité, c'est ce que nous voyons. Nous avons beaucoup de diversité dans notre école, dans notre communauté. Alors, l'appartenance. Nous pensons que l'appartenance doit porter sur toutes les personnes. Et par exemple, pour les familles de réfugiés qui doivent se sentir les bienvenus, à un moment donné, il y avait un Somalien, par exemple, qui s'est présenté. Et donc, il faut être inclusif pour toutes les personnes. Et puis, il y a l'inclusion. L'inclusion, c'est ce que nous faisons. Et ça, c'est un élément crucial. Ce que nous faisons, Manos en a parlé d'ailleurs, nous pensons qu'il faut adapter l'école à l'enfant et non pas que l'enfant s'adapte à l'école. Nos enseignants, notre personnel essentiel, les parents également, élaborent des plans pour que tout le dispositif scolaire soit adapté aux enfants, pour que les enfants ne se voient pas exclus dans des situations difficiles. Donc, pour résumer, pour être inclusif, il faut avoir la volonté de l'inclusion. Merci beaucoup, Marc. Le rapport GEM souligne que les enseignants ont besoin de soutien et de formation pour enseigner dans une salle de classe diversifiée. C'était aussi l'une des grandes conclusions de l'enquête mondiale de l'International de l'éducation. Les syndicats d'enseignants du monde entier ont déclaré que le perfectionnement professionnel, la formation à l'éducation inclusive était souvent de faible qualité ou carrément absent. Avec un corps étudiant composé de plus de 20 groupes ethniques et culturels différents, comment préparez-vous les enseignants dans votre école pour faire face à la complexité du soutien à apporter à des apprenants divers? Merci, Susan. C'est une bonne question. L'État n'agit pas beaucoup ici. Nous souhaitons que l'État agisse davantage pour l'éducation inclusive, mais nous utilisons trois éléments pour préparer notre personnel. Nous avons donc tout d'abord mis en place un état d'esprit qui est nécessaire. On utilise les trois étapes du recrutement, la formation et le soutien. Il faut recruter le bon personnel. Nous recherchons les personnes qui ont fait l'expérience de la diversité dans leur vie, des personnes qui ont des membres de la famille qui pourraient avoir des handicaps, qui ont vécu dans différentes régions du monde, qui apportent des expériences plus riches dans leur enseignement. Et on nomme un groupe diversifié de personnes, des personnes qui font partie du personnel enseignant. Trop souvent, on va dans des écoles et le personnel enseignant et le personnel d'appui ne ressemblent pas du tout à la communauté. Et donc, on veille à ce qu'il y ait des nominations marquées par la diversité. Ensuite, nous formons le personnel avec la conception universelle. Nous y croyons fermement. La conception universelle,
Ça signifie que lorsqu'on repère un besoin, il faut mettre en place une conception universelle pour s'adapter aux besoins des enfants. Et souvent, nos alliés les plus sûrs, c'est les parents, les familles. Les parents et les familles nous aident beaucoup. Ce sont les premiers enseignants. Nous faisons venir des experts, car les ministères de l'éducation ont parfois des ressources, mais nous essayons de nous aider nous-mêmes. Nous, on met au point des méthodes de compréhension et d'interprétation. Nous avons l'éducation en dehors de la salle de classe et chacun doit y participer, sinon personne n'y participe. Aucun enfant n'est laissé pour compte. Il n'y a pas d'enfants trop handicapés pour ne pas participer à toutes les activités. Les enseignants aident les enfants à réussir et le succès est partagé. Pour le soutien, eh bien, tous nos enseignants savent que nous sommes solidaires de leur action. Si les enseignants vont prendre des initiatives audacieuses, ils ont des idées nouvelles, des méthodes pour soutenir les enfants. Les enseignants savent que je les soutiens. Et parfois, je m'oppose aux inspecteurs de l'éducation nationale, mais lorsque les enseignants savent qu'ils sont soutenus, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut donner du temps aux enseignants, car dans une situation complexe, il faut beaucoup de préparatifs pour préparer la salle de classe, pour appuyer et satisfaire tous les besoins. Nous avons beaucoup de personnel d'appui qui apporte une aide dans les écoles et c'est décisif pour les enfants. Et le dernier élément que j'évoquerai, c'est que nous leur donnons la possibilité de travailler en équipe pour résoudre les problèmes, car chaque enfant peut avoir des problèmes particuliers. Merci beaucoup, Marc. Voilà des observations très intéressantes. Nous avons un modèle de recrutement, de formation et de soutien. C'est un modèle qui semble excellent, qui pourrait être reproduit ailleurs. Et il est bon que vous nous ayez parlé. Nous allons entendre la deuxième intervenante, Sonia Alesso, qui est secrétaire générale de la Confédération des travailleurs de l'éducation de la République argentine. Son syndicat est à l'avant-garde de la défense de l'éducation en tant que bien public et pour la promotion du droit à l'éducation pour toutes les personnes en Argentine, ainsi qu'au niveau international. Elle travaille avec l'International de l'éducation. Sonia, l'une des principales constatations et conclusions du rapport, c'est que pour que tous les étudiants se sentent les bienvenus à l'école, le corps enseignant doit refléter la diversité qui se trouve au sein de la salle de classe. À votre avis, Sonia, quels sont certains des obstacles qui doivent être surmontés pour augmenter la diversité au sein du personnel enseignant? Sonia, la parole est à vous. Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut des lois dans chaque pays, comme la loi nationale sur l'éducation en Argentine, la loi 26206, qui garantit la diversité des enseignants dans les écoles et aussi leur formation, notamment grâce à l'International de l'éducation, qui agit dans le monde entier. Et nous promouvons ainsi tout ce qui vise à garantir le travail décent et l'inclusion des travailleurs et des travailleuses ayant des handicaps. Cela suppose non seulement de discuter de programmes éducatifs qui incluent les différentes diversités qui existent dans le système éducatif, mais aussi l'inclusion d'enseignants et de personnels d'appui ayant des handicaps, pouvant non seulement bénéficier d'une formation éducative de qualité, donc il est important de bien les former avec formation de qualité, mais aussi ce personnel peut ensuite s'inscrire dans le cadre du travail décent. Je vous remercie, Sonia. Comme votre réponse l'a souligné, nous devons veiller à ce que les environnements d'enseignement et d'apprentissage soient pleinement inclusifs et garantissent des conditions de travail décentes. Ce n'est qu'alors qu'on pourra attirer et maintenir en fonction des enseignants talentueux et diversifiés dans les métiers de l'éducation, y compris des enseignants handicapés. Le rapport GEM mesure les progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif de développement durable numéro 4, comme souligné dans le cadre d'action pour les ODD et éducation 2030. Le dialogue social institutionnalisé avec les enseignants et leurs syndicats doit être
renforcées pour réaliser l'ODD numéro 4. L'International de l'éducation pense que les recommandations du rapport GEM auraient pu donner davantage d'attention à l'importance du dialogue avec les enseignants. Nous félicitons que le webinaire donne aux enseignants et les organisations qui les représentent une voix au chapitre pour discuter l'éducation inclusive du point de vue des enseignants. Ce besoin de dialogue avec les enseignants est également repris dans le récent appel à l'action lancé aux enseignants qui a été publié par l'équipe spéciale international sur les enseignants. Deuxième question pour Sonia. Nous aimerions, Sonia, que vous indiquiez quel rôle votre syndicat de l'éducation joue pour préconiser le droit à un travail décent pour les travailleurs handicapés et qu'est-ce que les gouvernements doivent faire pour veiller à ce que le personnel enseignant représente la diversité. Sonia? La première chose à faire, c'est de garantir les budgets pour l'éducation dans le monde entier, afin d'assurer d'une part la participation d'enseignants dans toute leur diversité, par exemple leur diversité culturelle et sociale, et aussi en ce qui concerne les enseignants, selon leurs diverses aptitudes et capacités. Il faut aussi garantir l'inclusion des handicapés à tous les niveaux du système éducatif. Garantir l'inclusion des handicapés, eh bien, pour le faire, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques publiques qui veillent à l'éducation inclusive. L'International de l'éducation le signale dans tous ses documents et l'a également rappelé lors de son congrès mondial le plus récent. Il s'agit de garantir l'inclusion des handicapés dans le monde entier. Il s'est agi d'une lutte historique dans le monde entier, encore une fois, une lutte du corps enseignant et des syndicats d'enseignants, afin de sauvegarder, d'une part, le travail et les acquis de l'éducation inclusive, d'où l'action de l'International de l'éducation au niveau mondial, et aussi d'œuvrer pour que les gouvernements inscrivent cette problématique dans leur programme, dans le contexte du débat pédagogique. Merci beaucoup, Sonia. Même si les politiques d'un pays ne sont pas inclusives, un enseignant souvent a une marge de manœuvre pour enseigner de façon inclusive. De même, un pays pourrait avoir des politiques inclusives, mais les contraintes pesant sur les ressources signifient que l'écart entre la politique générale et la réalité dans certaines salles de classe est énorme. Cet écart peut devenir encore plus large dans les situations de crise humanitaire. L'Ouganda accueille l'une des populations de réfugiés les plus grandes de la planète. Nous allons maintenant entendre Monsieur Baguma Philbert Bates, qui est secrétaire général du syndicat national des enseignants en Ouganda. Il va nous dire quelles mesures sont requises pour garantir que l'équité et l'inclusion restent au cœur de l'éducation des réfugiés et des communautés d'accueil. Philbert est un ancien chef d'établissement scolaire et comme élément de son travail au sein du syndicat, il promeut les droits des enseignants et des enfants réfugiés. Et il participe à des projets sur le travail des enfants et la violence sexiste qu'on trouve dans les écoles. Philbert, comment votre organisation œuvre-t-elle avec le gouvernement ougandais et d'autres acteurs pour promouvoir les droits des enseignants et enfants réfugiés? Je vous remercie, Susan. Tout d'abord, l'Ouganda a le plus grand nombre de réfugiés du monde entier. Plus d'un million de réfugiés. Et sur ce million de réfugiés, 61% sont des enfants de moins de 18 ans. Le Syndicat national des enseignants ougandais est une institution qui exprime les préoccupations des enseignants. C'est fondé sur le cadre juridique qui existe en Ouganda. En tout premier lieu, les réfugiés en Ouganda reçoivent le droit d'asile et ont les mêmes droits que les citoyens ougandais. Et donc, je mentionnerai quelques droits seulement, le droit à l'éducation, le droit à la liberté de circulation, la liberté d'expression. Et donc pour nous, en tant que syndicat d'enseignants, nous avons essentiellement
souligner les activités de plaidoyer, notamment en faveur du bien-être. Nous faisons cela car lorsqu'on va dans les camps de réfugiés, on constate que du fait de l'afflux des réfugiés, on trouve des ratios très élevés entre nombre d'enseignants, nombre d'élèves, on voit qu'il y a insécurité de l'emploi, on voit une infrastructure très mauvaise, il y a les obstacles linguistiques et puis la certification des enseignants peut poser problème lorsque les enseignants sont des réfugiés. Et puis il faut voir quelles sont les politiques nécessitant des réformes pour voir comment on peut bien accueillir les enseignants réfugiés. Donc on examine les possibilités de plaidoyer et nous avons agi auprès des ministères pour que les préoccupations soient prises en compte dans les situations d'urgence humanitaire. Le ministère de l'Éducation actuellement a élaboré un plan d'intervention en faveur des réfugiés et des communautés d'accueil en Ouganda. Nous travaillons également avec d'autres organisations. Nous avons les organismes des Nations Unies, les organisations de la société civile. Et toutes ces entités conjuguent leurs efforts, notamment sur le plan du financement, sur le plan des compétences techniques spécialisées et aussi les contributions concrètes. Et cela a aidé l'Ouganda à bien gérer l'éducation dans la situation d'urgence. Toutefois, il y a toujours un aspect de sous-financement, de ressources financières insuffisantes. Mais nous souhaitons assurer le plaidoyer pour les enseignants pour qu'ils aient la sécurité de l'emploi. Dans un premier temps, des enseignants peuvent être recrutés, puis ils sont licenciés, mis à pied selon les caprices de l'employeur. Certains enseignants sont renvoyés par un texto, envoyés par SMS dans un téléphone, mais nous avons amélioré la situation en faisant pression et en préconisant la sécurité de l'emploi. Et cette situation s'est améliorée par rapport à la situation antérieure, grâce notamment à nos efforts de lobbying, de pression, et pour assurer la sécurité de l'emploi. Merci, Philberte. Philberte, vous avez parlé de certains des principaux défis que doivent relever les enseignants qui enseignent dans des camps de réfugiés où il y a souvent des niveaux élevés de violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les filles. Malheureusement, la violence sexiste dans les écoles touche des milliers d'enfants, de familles, de communautés en Ouganda. Pouvez-vous nous indiquer comment vous œuvrez pour veiller à ce que les enseignants aient les compétences voulues pour promouvoir la diversité socio-émotionnelle d'élèves qui ont été traumatisés par la violence sexuelle et sexiste ou par l'expérience du déplacement? Je vous remercie beaucoup. Les camps de réfugiés sont susceptibles de subir des violations des droits de l'homme en grand nombre. Et au premier plan, il y a la violence sexuelle et sexiste, notamment à cause d'aspects culturels. Le Syndicat national des enseignants en Ouganda a participé à la lutte contre la violence sexiste à l'école. Et nous nous sommes attaqués à ce problème en créant des équipes pour le changement. Les équipes pour le changement sont des membres de la fraternité des enseignants qui sont les défenseurs de la lutte contre la violence sexuelle et sexiste au sein des communautés et surtout au sein des écoles. Et ensuite, au sein des écoles elles-mêmes, nous avons également des équipes pour le changement et nous avons une mobilisation entre pairs, des activités de sensibilisation. Puis nous allons encore plus loin pour sensibiliser et former les enseignants, car trop souvent, l'hypothèse retenue, c'est que les enseignants sont tout à fait prêts à agir, mais lorsqu'on examine une interprétation plus profonde de ces notions, on s'aperçoit que certains enseignants sont eux aussi victimes de la violence sexuelle et sexiste à l'école. Et donc on forme les enseignants, on renforce leurs moyens d'action pour qu'ils puissent aider à
protéger les filles et les garçons aussi, car les garçons doivent aussi faire l'objet d'une action de sensibilisation pour que les garçons soient solidaires des filles. Si on ne forme que les filles, si on ne sensibilise que les enseignantes, alors les partenaires stratégiques ne participeront pas à l'action et les résultats seront moins bons. Nous allons encore plus loin en sensibilisant les parents et les autres parties prenantes. Donc nous avons une action multidimensionnelle. Nous saisissons toutes les possibilités qui se présentent, car même les parents, parfois, pensent que les enfants sont assez grands et les parents pensent que ce sont les enseignants qui doivent former les filles et les enseignants pensent qu'il y a certaines informations qui sont données aux filles par les parents. Et en fin de compte, les filles sont victimes car elles ne reçoivent les informations voulues d'aucune personne. C'est pour cela que nous avons développé notre action pour sensibiliser les parents et d'autres parties prenantes afin qu'il y ait un effort concerté pour lutter contre la violence sexuelle et sexiste à l'école. Et nous agissons pour intégrer la lutte contre la violence sexuelle et sexiste. Nous avons cela dans nos programmes syndicaux. Et donc tous les programmes mis en œuvre par le syndicat permettent de souligner la lutte contre la violence sexuelle et sexiste à l'école, car c'est un problème qui touche de nombreuses personnes, y compris les enseignants. Et il y a tant de problèmes actuellement à résoudre. Lorsqu'il s'agit de l'éducation dans les situations d'urgence, les problèmes sont aggravés, car les conditions de vie ne sont pas propices en cas de situation d'urgence. Pendant la crise de la COVID-19, on s'est aperçu qu'il y a de nombreuses filles qui tombent enceintes. Il y a de nombreux cas de violences sexuelles. Et donc, il y a beaucoup de mesures à mettre en œuvre, une grande action à entreprendre, ne serait-ce que pour faire face à la pandémie de la COVID. Et nous veillons donc à développer la sensibilisation grâce au programme radio-télévisé pour qu'on puisse sauver les filles. Nous parlons de plus en plus des filles, mais aussi des garçons. Mais il faut reconnaître que les filles sont plus vulnérables dans le contexte ougandais. Je vous remercie, Philbert. Merci d'avoir donné des exemples très importants, notamment qui montrent qu'il faut aider les enseignants qui travaillent dans des circonstances extrêmement difficiles. Lors des interventions antérieures, il y a eu de nombreuses contribution, on a parlé notamment de formation professionnelle, de perfectionnement professionnel. Nous allons donner la parole à Jobix Kalumba, qui est secrétaire permanent à l'éducation en Zambie, en tant qu'ancien enseignant et chef d'établissement scolaire. Il a ouvert des écoles et a promu l'éducation inclusive pour les enfants handicapés. Il continue ce travail important maintenant au sein du ministère de l'Éducation. Monsieur Kalumba, en tant que représentant d'un gouvernement, selon vous, quels sont les principaux obstacles qui s'opposent à la formation et au perfectionnement des enseignants dans notre pays? Quelles mesures prend votre gouvernement pour veiller à ce que la formation soit disponible pour tous les enseignants et que les enseignants soient prêts à répondre, satisfaire les besoins diversifiés des élèves et étudiants? Jobis, je vous remercie. Ici, en Zambie, les obstacles auxquels nous nous heurtons sont nombreux, mais je vais en évoquer quelques-uns. L'un de ces obstacles, c'est un nombre limité de cours de formation de qualité pour les enseignants, pour former des enseignants de l'éducation spécialisée. Nous avons l'Institut zambien de l'éducation spécialisée qui existe depuis l'indépendance en 1964. C'est une institution qui s'occupe des enseignants qui reçoivent une formation pour l'éducation spécialisée, pour notamment les élèves aveugles, les sourds, les malentendants, les handicaps en matière d'apprentissage, les malvoyants et de nombreux autres aspects et handicaps. Mais le nombre total
d'établissements est notoire, est nettement insuffisant. Le nombre est insuffisant et donc il n'y a pas beaucoup d'enseignants en Zambie qui soient formés à l'éducation spécialisée. Un grand nombre d'écoles, nous avons 10 000 écoles en Zambie, 10 000 écoles en Zambie, mais seulement un tout petit pourcentage de ces écoles offrent l'éducation spécialisée. La raison est simple, c'est parce que nous n'avons pas beaucoup d'écoles de formation qui forment un grand nombre d'enseignants qui peuvent aider les enfants dans différentes écoles dans le pays. Les enfants qui ont des besoins particuliers. Mais le gouvernement ne reste pas les bras croisés. Jusqu'à présent, voici ce que nous avons fait dans les établissements d'enseignement des enseignants. Nous avons demandé à tous les directeurs d'établissements d'inclure les éléments de l'éducation spécialisée à tous les niveaux de l'enseignement. Tous les enseignants qui sont formés dans les écoles spécialisées, que ce soit des universités publiques ou privées ou d'autres établissements publics ou privés, on en a demandé à tous les intéressés d'inclure l'éducation spécialisée en tant que composante, en tant qu'élément dans les programmes de formation des enseignants. Et ainsi, nous sommes convaincus qu'une fois que les enseignants obtiennent les diplômes de ces établissements, chacun de ces enseignants aura les compétences, connaissances, les aptitudes de base leur permettant de s'occuper d'enfants qui ont des besoins particuliers et diversifiés. Voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent et nous sommes convaincus que ce processus va très bien fonctionner car nous sommes certains que grâce à tous les établissements d'enseignement et de formation que nous avons, eh bien, chaque enseignant, après avoir obtenu son diplôme, chaque enseignant aura les compétences de base, les connaissances voulues en matière d'éducation spécialisée. Et ainsi, nous nous dirigeons vers la transformation de l'éducation inclusive en réalité. Car l'enseignant, c'est un élément clé pour que l'éducation spécialisée ou l'éducation inclusive devienne une réalité. Alors, qu'en est-il de la formation et du perfectionnement professionnel des enseignants? Là aussi, nous avons des difficultés. Nous n'avons pas assez d'institutions pour la formation permanente en Zambie, où les enseignants peuvent recevoir un perfectionnement et une formation permanente. Alors, encore une fois, le gouvernement agit. Dans les 10 provinces de la Zambie, nous avons maintenant mis en place ce que nous appelons les centres de ressources provinciaux pour les enseignants. Ce sont les centres provinciaux où tous les enseignants qui ont reçu une formation à l'éducation spécialisée, les enseignants y vont dans ces institutions pour une formation permanente et leur perfectionnement professionnel, pour actualiser leurs connaissances. Et donc, cela permet aux enseignants de compléter leur formation, d'obtenir des aptitudes et des compétences, d'avoir une réorientation pour les différents aspects de l'éducation spécialisée. Jobix. Vous avez mentionné des questions et problèmes clairs, certaines recommandations qui sont mentionnées dans le rapport GEM. Concernant la formation de tous les enseignants, la formation à l'éducation inclusive. Le rapport GEM a constaté que pendant la crise de la COVID-19, environ 40% des pays à faible revenu, pays de la tranche supérieure des revenus intermédiaires, n'ont pas appuyé les abonnements qui sont à l'exclusion. Par exemple, les pauvres, les minorités linguistiques, les abonnements ayant des handicaps. Alors que les écoles rouvrent, il sera donc essentiel de suivre de près et d'évaluer la façon dont les plus marginalisés peuvent être soutenus afin d'empêcher les déscolarisations et de nouvelles exclusions du monde de l'éducation. À l'international de l'éducation, nous proposons de mettre en œuvre des audits pour l'équité au niveau des écoles pour suivre les effets des fermetures d'écoles sur les plus marginalisés. Cela appellera l'attention sur les inégalités qui sinon resteraient invisibles. En tant que représentant d'un gouvernement, pouvez-vous nous dire ce qui peut être fait pour recueillir des données afin de promouvoir l'éducation inclusive pour tous? Quelles ont été certaines des principales difficultés et comment les avez-vous abordées? Vous avez raison, Susan. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est, premièrement, recueillir des données sur le nombre d'enseignants que nous avons dans le pays. Nous devons savoir quel est le nombre d'enseignants qui sont formés à l'éducation spécialisée. Combien y en a-t-il dans notre pays? Il faut le savoir. On doit recueillir des données sur le nombre total d'enfants qui sont défavorisés.
Il y a une interruption de la retransmission vidéo, malheureusement, de M. Kalumba. Il y a une interruption de la retransmission de M. Kalumba. Malheureusement, la retransmission a été coupée. Susan, nous n'avons plus en ligne Jobix. La communication a été interrompue. Nous allons essayer peut-être de rétablir la communication avec Jobix Kalumba. Est-ce qu'on peut m'indiquer si on va pouvoir redonner la parole à Jobix? Non. Eh bien, nous poursuivons et j'espère qu'on pourra retrouver Jobix pour le prochain volet de cette réunion. Chers collègues, nous touchons à la fin de la réunion débat et je tiens à remercier tous les intervenants de leur participation et de leurs excellentes contributions à la discussion avec un vaste éventail d'exemples qui ont été mentionnés. La discussion va se poursuivre bientôt avec une séance de questions-réponses, mais tout d'abord, je vais essayer de résumer certaines des principales conclusions de cet événement. Cela pourra orienter les discussions futures sur la façon d'appuyer les enseignants et le personnel d'appui à l'éducation en faveur de l'enseignement dans des salles de classe inclusives. Diversifiée. Nous avons entendu des enseignants, des chefs d'établissement, des syndicalistes, des représentants du gouvernement et des organisations internationales. Ils nous ont dit à quel point il est important de faire de l'enseignement une profession attrayante afin de promouvoir l'éducation inclusive, il sera nécessaire d'assurer davantage de perfectionnement professionnel de plus grande qualité, une meilleure formation pour les enseignants et un appui et une meilleure formation du personnel d'appui à l'éducation, leur permettant de satisfaire les besoins d'un corps étudiant diversifié. En tant que chef d'établissement, représentant chef d'établissement et représentant du gouvernement a indiqué les mesures qui doivent être prises pour améliorer la formation des enseignants. Nous avons discuté du rôle des syndicats de l'éducation et comment les syndicats, entre le collectif des enseignants, peuvent contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques inclusives. En l'occurrence, le dialogue social et les échanges constants entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation et leurs membres sont des stratégies essentielles pour veiller à ce que les politiques générales correspondent aux besoins des enseignants et des élèves et étudiants. À présent, j'aimerais lancer la séance de questions-réponses. Et nous souhaitons vivement que les participants au webinaire posent des questions aux intervenants pour entendre les réponses des intervenants, des experts. Stéphania ainsi que Sonia, malheureusement, ne pourront pas participer à la séance de questions-réponses, mais nous attendons l'intérêt d'entendre les réponses des autres intervenants et membres de la réunion débat, et j'espère que Jobix pourra nous rejoindre. Tout d'abord, je pose une question à Manos, question de Manisha en Inde, qui pose la question suivante. J'aimerais beaucoup apprendre quels sont les principaux aspects de la formation, des cadres politiques de formation des enseignants sur lesquels on doit se concentrer dans la nouvelle situation de la normalité de l'éducation. Bon, normal, c'est un mot sensible et délicat lorsqu'il s'agit de l'inclusion. Bien sûr, il y a une discussion sur ce qui va se produire avec la réouverture des écoles, les retours à l'école. Il faut mieux reconstruire les systèmes éducatifs. Mais il est important d'avoir un point de vue plus général également. Il faut reconnaître que les problèmes antérieurs persistent. Et ce cas a indiqué la crise, ce que la crise a été exposé. Et fait comprendre ceci aux enseignants, c'est une réalité crue, c'est que certains apprenants avaient des difficultés chez eux, car les enseignants rencontrent les apprenants à l'école dans un environnement différent, un contexte différent. On voit les difficultés et les problèmes que certains élèves apportent dans la salle de classe, mais on ne voit pas l'interaction qui peut être très dure au sein du foyer pour les élèves qui avaient la chance de se connecter, c'était bien, mais certains élèves n'ont pas pu se connecter par Internet. Parfois, les enfants ne peuvent pas communiquer avec tous les intéressés. La langue peut être différente. Confiance. Donc, tout un éventail de difficultés. Les enseignants se sont rendus compte qu'ils devaient jouer un rôle encore plus grand que d'habitude. Ce qui nous ramène à ce qu'est un cadre approprié pour l'éducation inclusive. Le rapport emprunte un exemple qui a été mis en œuvre par l'Agence européenne pour les besoins particuliers de l'éducation inclusive. C'est très important car cela se concentre sur quatre aspects. Appuyer tous les apprenants, non seulement sur le volet des programmes d'études, mais aussi sur le plan social, le plan des émotions. Donc très concrètement, c'est essentiel.
Il s'agit de travailler avec d'autres personnes, d'autres parties prenantes. J'ai déjà parlé de certaines difficultés, des écoles qui essaient d'être inclusives ou intégrées. Eh bien, les enseignants ordinaires ne travaillent pas forcément avec les enseignants spécialisés. Il n'y a pas forcément une coopération. Or, elle est essentielle. Il faut travailler avec d'autres professionnels de l'éducation, car il y a d'autres difficultés et problèmes, notamment pour le personnel d'appui. Troisièmement, célébrer la diversité des apprenants, d'excellents exemples de données. Il faut être convaincu que la diversité, c'est un atout. Il faut que ce soit ancré dans les programmes éducatifs pour les enseignants et tout au long de la carrière de l'enseignement pour un professionnel de l'éducation. Et ainsi, les enseignants doivent respecter la diversité. Et la quatrième et dernière dimension, c'était de participer au perfectionnement professionnel, grâce notamment à des réflexions personnelles, pour réfléchir à ses propres pratiques, voir s'il y a des préjugés, des partis pris qui jouent un rôle, et comment un enseignant peut lutter contre ces préjugés, partis pris. Il faut que les enseignants aient un perfectionnement constant et être habillés par les programmes gouvernementaux. La formation permanente des enseignants doit se poursuivre. Il est important de vérifier l'acquisition de connaissances grâce à de meilleures évaluations des enseignants qui doivent apprendre tout au long de leur carrière. Merci Manos, je remercie Manisha Arnand de sa question. Je vais maintenant me tourner vers Paguma Philbert Bates. La question vient de Kate en France. La question de Kate, c'est comment peut-on obtenir l'adhésion des syndicats d'enseignants à ces recommandations de l'ORGM afin de les mettre en œuvre au niveau des différents pays? Philbert Bates. Merci, Susan. Tout d'abord, en tant que partie prenante essentielle qui représente le groupe des enseignants, nous devons être consultés par les gouvernements, mais les enseignants doivent aussi s'engager, jouer un rôle, assurer leur participation. Et donc tout ce qui touche au système éducatif, eh bien, les enseignants doivent en faire partie intégrante pour trouver des solutions. Il y a des difficultés à résoudre. Et les difficultés touchent aussi bien les enseignants que les apprenants. À partir du moment où le bien-être des enseignants n'est pas assuré, cela se traduit directement par les souffrances des apprenants. Cela a un impact négatif direct sur les apprenants. Et donc, les syndicats d'enseignants doivent exercer des pressions, faire du lobbying auprès des autorités compétentes, auprès des bureaux et entités compétents, pour que chacun fasse de son mieux pour assurer le bien-être des enseignants. Nous devons préconiser le bien-être des enseignants, défendre le bien-être des enseignants, car une fois que les enseignants sont bien motivés, une fois que les enseignants se sentent soutenus, eh bien, à l'évidence, on aura une éducation inclusive de qualité. Tous les éléments qui ont des incidences sur les enseignants touchent directement ou indirectement les apprenants. Et en l'occurrence, les syndicats d'enseignants doivent être plus volontaristes, plus actifs et doivent faire partie intégrante des systèmes éducatifs au sein des différents pays. Et c'est ainsi qu'on peut atteindre les objectifs. Nous devons prôner un accroissement du financement, le financement du ministère de l'Éducation, le financement des ministères chargés de l'éducation dans les différents pays. Et ainsi, lorsqu'il y a augmentation des ressources financières disponibles, la plupart des difficultés et des problèmes qui touchent l'éducation dans nos pays pourront faire l'objet de solutions. Les syndicats d'enseignants doivent aller encore plus loin, en passant à la vitesse supérieure, pour obtenir l'adhésion des donateurs et des partenaires, au-delà même des frontières nationales. Car parfois, les ministères chargés de l'éducation ont leurs propres priorités. Et comme ces ministères ont leurs propres priorités, les apprenants, en fin de compte, en pâtissent et souffrent des conséquences des mesures prises. Nous devons donc
exercer des pressions, faire du lobbying pour que les donateurs et partenaires soient solidaires de notre action. Et ainsi, les enseignants pourront aider à réaliser l'éducation inclusive de qualité. Merci beaucoup, Philbert. Je me tourne maintenant vers Marc Potter. Marc, vous obtenez d'excellents résultats et pourtant il est plus de minuit en Nouvelle-Zélande à ce stade, mais vous vous portez bien, Marc. Alors, j'ai deux questions pour vous, Marc. Tout d'abord, une question sur les salles de classe. Question de Kim au Myanmar. Kim demande, à votre avis, quel type d'intervention peut soutenir les enseignants qui sont déjà aux prises avec une lourde charge de travail afin que les enseignants intègrent l'inclusion dans la salle de classe? C'est une bonne question. Nous avons examiné cela de très près dans notre école. Car la charge de travail des enseignants est extrêmement lourde en tout état de cause, mais on ajoute des complexités. Mais il faut décider ce qu'on ne va pas demander aux enseignants de faire. Si les enseignants sont isolés, alors il faut augmenter les ressources disponibles pour les enseignants. Et le fait d'ajouter des spécialistes professionnels peut beaucoup aider les enseignants. J'avais un enseignant remarquable. Et elle appuyait la complexité de l'exercice dans sa salle de classe. Et parfois, elle pleurait, elle avait des larmes aux yeux. Et tellement elle était fatiguée, surmenée. Et donc, nous avons ajouté une enseignante dans sa salle de classe pour qu'elle ait plus de temps, pour assurer la planification, pour qu'elle puisse faire son travail, pour soutenir les enfants. De nombreux pays sont obsédés par les évaluations, les tests, les examens. Mais souvent, ça ne fonctionne pas bien pour les types d'enfants dont nous parlons, les enfants qui ont besoin d'inclusion. Et donc, les chefs d'établissement doivent réfléchir à ce qu'ils demandent aux enseignants pour prendre en compte les différences et les diversités. Sinon, les enseignants vont être surmenés et épuisés. Il faut avoir accès à des experts de qualité qui peuvent aider les enseignants. On ne peut pas former tous les enseignants à toutes les connaissances. Mais beaucoup de travail doit être fait à la volonté des assistants, des adjoints. Mais il faut souligner que les enseignants ont un travail très complexe et ont besoin d'être soutenus et épaulés. Merci. Marc, vous parlez des adaptations que vous avez dû faire dans votre propre école pour faire face à la pandémie de la COVID. À votre avis, quels sont les effets à plus long terme sur les apprenants les plus marginalisés dans votre communauté? Alors, la COVID, c'est un énorme problème pour tout ce que nous voyons très clairement. C'est le gouvernement et le ministère national de l'éducation voulaient agir pour soutenir toutes les personnes. Mais en travaillant à un niveau aussi élevé, le ministère, le gouvernement ne pouvait pas voir les individus, les familles, les communautés. Or, il y a un lien entre tous ces éléments. Nous savions qu'il y avait des problèmes en matière d'équité, insuffisance de ressources, Stéphanie en a parlé, et donc dans notre école, nous avons déterminé quelles étaient les familles qui n'avaient pas de connexion, quelles étaient les familles qui avaient besoin de plus de ressources et d'aide, et on a réparti notre personnel dans l'équipe, certaines équipes étaient en ligne, avec des enfants qui pouvaient faire du téléenseignement, d'autres membres du personnel ont préparé des boîtes de support pédagogique, de manuels scolaires, et on les a livrées à la communauté. Les enseignants ont beaucoup collaboré et participé à notre action. Nous sommes aperçus que les enfants handicapés, en particulier, dépendent des liens avec des relations avec les adultes. Donc, nous avons un personnel appui. En Nouvelle-Zélande, nous avons un concept qui s'appelle une bulle. La famille, c'est une bulle, mais elle peut être agrandie en ajoutant un foyer. Et donc, une partie de notre personnel d'appui inclut d'autres familles dans cette bulle pour travailler avec différents enfants, notamment pendant les périodes de confinement. On en a formé le personnel d'appui en vue de la réouverture de l'école et on a travaillé avec les enseignants et les parents pendant toute cette période de confinement.
En Nouvelle-Zélande, nous avons beaucoup de chance. Nous avons cessé le confinement, mais nous allons devoir surveiller les enfants qui n'ont pas le même degré d'accès que leurs camarades. Je parle d'accès aux ressources. On peut avoir un confinement, on peut avoir une insuffisance de ressources, mais tous les parents n'ont pas accès à toutes les ressources, à tous les moyens nécessaires pour l'éducation. Nous devons nous occuper de tous ces aspects à l'avenir, après la pandémie. Oui. Vous avez raison, Mark. En fait, cette situation s'est retrouvée dans tous les pays qui ont été touchés par la pandémie. Et il faut voir quelles sont les ressources disponibles pour les élèves et les étudiants qui se retrouvent confinés chez eux, mais qui aient quand même accès à l'éducation. Bakouma Filberbase, quels sont les principaux obstacles à surmonter pour que les enseignants de votre pays puissent créer des environnements d'apprentissage inclusifs? Et comment peut-on éliminer ces obstacles? Monsieur Bates, merci beaucoup, Susan. Alors, premièrement, les principaux obstacles qui s'opposent à des environnements d'apprentissage inclusifs, c'est principalement les infrastructures insuffisantes. Dans la mesure où, dans certaines régions, on constate que les infrastructures existent, mais ne prennent pas en charge les apprenants qui ont des handicaps physiques et des difficultés physiques. Et donc, il n'y a pas toujours des possibilités d'accès aux écoles. L'accès à l'école, d'ailleurs, le problème d'accès aux écoles élimine certaines catégories d'apprenants. Et puis, nous avons des salles de classe surchargées. Lorsqu'il y a trop d'élèves dans une salle de classe, bien entendu, cela ne favorise pas l'apprentissage à tous les niveaux de tous les apprenants. Les apprenants de niveau moyen ou les apprenants plus lents ne vont pas autant profiter de l'enseignement que les apprenants plus doués. Bien sûr, il y a des rétractions sur les apprenants défavorisés et les enseignants ont du mal à donner une aide individuelle si la salle de classe est surchargée. S'il y a une salle de classe avec une centaine d'apprenants, c'est une charge trop lourde. Cela ne permet pas de sensibiliser chaque enfant. Ensuite, il y a le matériel, le problème de matériel. Par exemple, les supports pédagogiques en braille, qui sont souvent insuffisants. Il n'y a pas assez de manuels en braille. Il n'y a pas assez de béquilles ou de fauteuils roulants pour les handicapés physiques. Et donc, certains élèves n'ont aucun moyen d'accès aux institutions d'enseignement. Nous avons aussi des insuffisances de perfectionnement professionnel et de formation permanente pour pouvoir doter les enseignants des moyens, ressources et connaissances nécessaires pour les aider à épauler et soutenir les apprenants. À part la part des personnes qui peuvent être facilement identifiées, il y a d'autres personnes qui ont des difficultés, mais on peut les repérer que si on a les connaissances voulues, pour se rendre compte que oui, on peut avoir un enseignant dans une salle de classe et lorsque on fait des aménagements dans la salle de classe, un enfant peut se retrouver au fond de la classe, mais cet enfant pourrait être un malvoyant. Et en fin de compte, cet enfant aura du mal à apprendre s'il est trop loin du tableau. Et donc, il faut que les enseignants suivent des cours de formation permanente, de perfectionnement professionnel, notamment pour favoriser l'inclusion, sinon les obstacles et les problèmes persistent. Puis nous avons des ratios très élevés entre enseignants, nombre d'enseignants et nombre d'élèves. En Ouganda, le ratio actuel entre enseignants et apprenants, c'est 1 enseignant pour 53 élèves sur le plan national. Mais on peut trouver des salles de classe où il peut y avoir un enseignant pour 120 élèves. Cela a des répercussions sur l'inclusion. Car les enseignants n'ont pas assez de temps, ils ne peuvent pas trouver d'autres créneaux à part le temps déjà disponible.
Et dans notre pays, c'est généralement un enseignant par salle de classe. Cette situation est très difficile, car si c'est une salle de classe pour un enseignant, cette hypothèse-là veut que les enseignantes n'aient pas de congé maternité. Or, la constitution de l'Ouganda accorde 60 jours aux enseignants pour le congé maternité. Et donc, si on est dans une école, et s'il y a des enseignantes qui ont droit au congé maternité, ce qui n'est pas négociable, alors il y aura une crise dans cette école, une crise pour le processus rassemblant les enseignants et les apprenants. Et ça aussi, cela repose sur l'hypothèse que les enseignants ne vont pas tomber malades. Si on tombe malade, il faut se faire soigner, obtenir des médicaments. Mais lorsque nous avons une situation d'une salle de classe pour un enseignant, si un enseignant tombe malade, il n'y a pas de remplaçant pour s'occuper de cette salle de classe-là. Et la situation s'aggrave lorsque nous avons des enfants qui relèvent de différentes catégories. Bien sûr, il y a les enfants qui ont besoin de la présence d'un enseignant. Et à partir du moment où l'enseignant est absent, la situation s'aggrave pour ces élèves-là. Alors, quelles sont les mesures à prendre? Eh bien, il faut examiner la question des cours de formation permanente et de perfectionnement professionnel, quelles que soient les attitudes des enseignants, la bonne qualité des enseignants. Le monde est en pleine mutation, les réformes sont mises en œuvre et de nouvelles situations apparaissent. Le monde évolue constamment et donc il faut un perfectionnement professionnel constant et permanent. Dans les domaines qui doivent être pris en compte au cours du processus d'enseignement et d'apprentissage. Le ratio entre enseignant et élève doit être plus faible afin que l'enseignant ait le temps de prendre en charge toutes les catégories d'apprenants, les plus rapides, les plus lents, les moyens et les apprenants qui ont des besoins particuliers. Et ainsi, on peut bien mettre en œuvre le processus d'enseignement et d'apprentissage. Puis, on parle d'éducation inclusive. Mais je pense qu'il faut aussi augmenter le nombre d'écoles spécialisées. Car certains élèves ont besoin d'écoles spécialisées en fonction de leurs aptitudes et compétences. Ces écoles spécialisées doivent être mises en place et doivent être bien équipées, dotées des ressources nécessaires. Car il y a des situations extrêmes où on a peut-être besoin de faire en sorte qu'un enseignant s'occupe de 5 apprenants. Si on les intègre dans les écoles ordinaire, cela devient pratiquement impossible car les apprenants ne vont pas pouvoir suivre le rythme des autres élèves. Et donc, il faut avoir suffisamment d'écoles spécialisées. Je vous remercie. Schoenberg, je vous invite à conclure. Veuillez conclure, Monsieur Bates. Oui, une dernière observation. Les plans pour la construction des salles de classe. Le gouvernement s'en occupe, mais lorsqu'on parle de propriétaires ou d'institutions privées, ces entités-là ne s'occupent pas d'apprenants qui ont des handicaps physiques. Cela veut dire que les établissements privés n'accueillent pas les élèves qui ont des besoins particuliers, et donc le gouvernement et le ministère de l'Éducation doit améliorer cette situation pour qu'il y ait inclusion aussi bien dans le secteur public de l'éducation que dans le secteur privé de l'éducation. Susan, merci beaucoup. Désolé de vous avoir interrompu. Nous n'avons plus de temps. Il y avait d'excellentes questions que j'aurais aimé poser pour entendre les réponses. Mais nous touchons à la fin du webinaire. Aucun pays du monde n'a atteint un système d'éducation complètement inclusif. C'est pour cela que le rapport Angel a lancé un sondage pour que les personnes puissent y participer où qu'elles se trouvent. Le lien vient d'être affiché sur le chat
Et on vous demande d'indiquer quelles recommandations du rapport GEM devraient avoir la priorité absolue dans votre pays. Nous vous demandons d'envoyer les résultats du sondage à votre ministre de l'Éducation. Et donc, vous pouvez vous exprimer dès maintenant. Et je vous invite à obtenir le plus de réponses possibles à ce sondage. Nous venons d'examiner le rôle central des enseignants en faveur de l'inclusion. Il n'y a pas une seule réponse à la question dans le sondage, car l'éducation inclusive n'est pas une fin en soi, mais un processus. Et de nombreux pays ont pris des mesures extrêmement positives dans la bonne direction. Nous devons tirer les enseignements des expériences d'autrui, partager les connaissances et les ressources et se soutenir mutuellement dans cette entreprise. Je tiens à remercier tous les intervenants que nous avons entendus au cours des 90 dernières minutes. Ils sont tous de véritables champions de l'inclusion. Ils œuvrent pour transformer les états d'esprit dans les écoles et les communautés au niveau national. La discussion d'aujourd'hui, ce n'est que le début d'un mouvement qui doit être amplifié par tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Chacun, nous avons un rôle à jouer pour veiller à ce qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Nous allons nous quitter avec un dernier appel à l'action émanant du rapport GEM, un appel qui souligne que chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour garantir l'inclusion et l'éducation. Encore une fois, merci à tous et au revoir à tous. Inclusion et éducation. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous différents. Chacun a ses propres attitudes et difficultés, ses préférences et ses rêves. Cette diversité doit être reflétée dans tous nos systèmes scolaires. Mais pour nombre d'élèves, ce n'est pas le cas. Je me suis dit, si les enfants riches peuvent étudier, pourquoi pas moi? Pourquoi moi ne puis-je pas étudier? Mes parents ont passé la plus grande partie de leur vie dans des taudis, dans des bidonvilles. Je veux donner à mes parents un bon logement et une vie agréable lorsque je serai grande. Je veux améliorer le sort de mes parents. D'ici 2030, nous visons une éducation inclusive pour tous, quelle que soit la région, les revenus ou les défis à relever. La décennie en cours est celle de l'action. Et ensemble, nous devons veiller à ce que tout signifie véritablement tout sans exception dans chaque salle de classe. Pour réaliser la véritable inclusion, nous avons besoin de mettre les différences des élèves au cœur de nos systèmes éducatifs, en les considérant comme des atouts à célébrer et non pas des problèmes qui doivent être résolus. Des enfants aux décideurs politiques, des parents aux chefs d'établissement, tout à chacun aura un rôle à jouer. Les pays devront comprendre les difficultés, les désavantages sous-jacents auxquels se heurtent les étudiants, et aborder directement les besoins multidimensionnels de chaque individu. L'inclusion ne peut pas être réalisée à un seul groupe à la fois. Il faut davantage de données de meilleure qualité sur ceux qui sont exclus de l'éducation, pour que les invisibles redeviennent visibles. Les données exactes sont importantes pour tout, comme excellent point de départ. Pour que les données enrichissent chaque mesure, on a besoin de partenariats très dynamiques et soutenus. Mais simplement transférer des élèves d'écoles spécialisées dans des écoles ordinaires qui n'ont pas les ressources appropriées ne fonctionnera pas. Cela exige une transformation complète des systèmes et des enseignants bien formés, disposant de bons supports pédagogiques et de bonnes évaluations des élèves pour satisfaire les besoins des élèves, des étudiants. Pour nous, une bonne leçon, c'est une leçon coopérative où les élèves résolvent les problèmes ensemble et n'interrogent pas simplement l'enseignant. Cela signifie que je ne suis plus une maîtresse d'école omnisciente. Nous devons briser les préjugés au sujet de certains groupes particuliers pour veiller à ce que tous les enfants se sentent bienvenus à l'école et aient la possibilité de s'y épanouir. Nous pensons que chaque personne de laboratoire est un agent de transformation. Certains signalent que le laboratoire leur a permis de s'exprimer, ainsi nous les aidons à devenir des protagonistes et à exploiter leur potentiel pleinement. Dans le monde entier, les gouvernements et les décideurs politiques devront garantir un financement équitable. Affecter les ressources aux enfants qui ont le plus de retard devra être planifié conjointement. Il faut une planification conjointe. Les partenariats ne sauraient être trop soulignés. Vous n'êtes pas forcément un spécialiste de la santé, vous êtes peut-être un administrateur ou un innovateur, mais tous peuvent collaborer pour que les choses fonctionnent bien. La voie à suivre sera semée d'embûches dans le travail ensemble, en apprenant de nos pères. Nous pouvons veiller à ce que tout signifie véritablement tout sans exception, et que chaque enfant ait la possibilité de concrétiser tout son potentiel.